connaissent une chapelle, ça va, c'est... Oui, 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 back up, oui, viens-t'en. Mais pourquoi un bureau, là? Mais là, Denis, c'est une surprise pour notre invité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te plains encore, maudite falouette? Tu me fais honte devant la caméra. Là, là, viens ici, là. Pour ta conséquence, là, tu vas chanter Bonne Fête devant le monde, OK, là? Hein, t'es d'accord, là, toi? Ouais, là, chante ouais. Bonne Fête. Ah oui, ah oui. Chante Bonne Fête, Mesmer. C'est chante. Bon, ça. Bonne fête, Mesmer, bonne fête, Mesmer, bonne fête, bonne fête. Non, va-t'en, va-t'en, si, Médard, je suis plus capable. Mais, ça n'a pas d'allure, chante mal, ta mère te l'a toujours dit. Bon, bon alors, chers téléspectateurs, bienvenue à Entre nous deux. Ce soir, on accueille un gars avec un nom d'ameublement. C'est un animateur que tout le monde aime. Voici Stéphane Le Bureau. All right, all right, all right. Salut l'ameublement. Wow! Un bureau! C'est fort! C'est bon. Vous êtes les premiers! Salut, mon Steph! Ça me donne le goût. T'as déjà fait ça des concours de coups d'avant-bras, même dans les clubs? Non, moi, ça me donne pas le goût, pantoute. Ah non, mais oui, un petit game. Non, Denis, on n'est pas là pour ça. Là. Viens t'asseoir dans le sofa, le bureau. OK? Écrase ton ameublement. Hey, excusez-moi, les gars, faut que j'aille pisser. Ça va prendre 2 secondes, on va pisser à toi. Voyons donc, oui. Désolé, voyons donc, Stéphane, c'est un peu gênant, là. C'est parce qu'il y a tellement bu de ginger ale, ce l'heure du dîner, des caisses. Ben, c'est moins cher de boire de l'essence. Ben, c'est moins bon aussi, par exemple, hein? C'est ça. Bon, ben, coudonc, t'as-tu vu le bureau, hein? Deux bureaux sur le même plateau. Le bureau de bois, le bureau de peau, c'était un bureau de bois et un bureau de peau. Hey, je m'excuse, les gars, c'est ginger ale. Ben ouais, je viens de dire que c'était ginger ale. Parlez, je vous entends, à toi. Non, c'est correct, les gars. Si jamais vous voulez cuver votre ginger ale, je peux aller ailleurs. Hein, pas de problème, j'ai d'autres choses à faire. Ben non, fais-toi-en pas avec ça. Regarde, le bureau est là, là. T'es là, toi aussi, on a des bonnes questions. Ben, si vous pouvez y en parler. Ben, je peux peut-être poser des questions à lui. Ben, ça ne dérangerait pas. Ben non! Hey, ça me fait penser d'ailleurs. J'ai une petite parenthèse comme ça, là. Ouais. Hey, Stéphane, toi, on te connaît surtout pour avoir déjà lu les nouvelles à Radio-Canada, au pupitre de Radio-Canada. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, que les techniciens te fassent des jokes genre « Hey, les gars, checkez, le bureau est assis à son pupitre! » Ça t'est-tu déjà arrivé? Non. Non, mais écoute, là, si c'est pour me niaiser, sais-tu, je peux aller ailleurs. Hein? Hey, maudit ginger ale, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça m'a pissé dans mes culottes. OK, attends, moi, je reviens. Oh, pissant. Viens, 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 au pied. Viens, FX, ici. Viens, au pied. Hop, viens, viens. FX. Hop. Viens ici. Viens. FX. Viens. Couche. Bon chien. Bon. Ça va? Super bien. Ça revient-tu, les grandes entrevues? Ça revient-tu, les grandes entrevues? Oui. Votre chien? Oui. T'es payé combien pour ça? Pour être ici, maintenant? Non, les entrevues. Pas assez cher. T'aimes ça, les trucs de chien? Si j'aime les trucs de chien? Oui. Check bien. Pas tu parles. Non, ça donne pas envie, pas à toi. Non, attends. Vrai, c'est drôle. Je l'ai jamais fait à quelqu'un de connu. Non, mais... Attends. Ben, retiens-toi si tu veux, hein. Non, faut pas que tu parles. Check bien. Check bien. Reste. D'habitude, il... Attends, ben, faut pas que tu ris. Check bien, je vais faire un shotgun. Mais il veut pas, mais d'habitude, il... Il est beau, hein? Hey, bon, ben, on va continuer l'entrevue. Les gars, là, ça s'étire en longueur. Fait que, vas-y donc, Denis, pose-toi une question de loin. Tu nous entends, Steph? Stéphane, m'entends-tu?
Tu vas nous entendre. Stéphane, une autre question. Tu as fait plusieurs grandes entrevues avec plein d'artistes. Je me demandais de votre quel artiste a les plus beaux souliers. Bonne question, ça. C'est une bonne. Je le sais franchement pas. Il a pas regardé là. OK, d'abord, on va passer à une question plus facile. Une question musicale, Stéphane. Une guitare, est-ce que ça a des poils ou si ça a des plumes? Je le sais pas pantoute. Bon, Chris, il en sait pas une. Il est pas musicien. Non, c'est vrai, il est pas musicien. OK, une question plus intelligente d'abord. Une coccinelle, combien ça a dedans, ça? Ça n'a pas d'importance parce que les palettes, tu t'en resteras pas gros si tu me laisses pas partir, puis vite. Hey, OK, le retourne sur le plateau avant que ça décroche. Oui. Oh, Stéphane, on pourrait finir l'entrevue finalement, là. Oh boy. Puis? Quoi? As-tu des questions? Oui. Salut. Je peux-tu m'en aller? Tu vas t'en aller, mais je te le dise. Ben, va-t'en, là. Merci. Bon, coudonc, Stéphane, tu t'en vas-tu pisser, toi, avec? Non, je m'en vais pas pisser, mais toi, je t'en vais chier en sacrament, par exemple. Ben, mon Dieu, merci, thank you! Maudit qu'il est fin, ce bureau-là, hein? Bonne marque. Ah, oui, oui. Hey, mesdames et messieurs, c'est ça, hein? C'est tout le temps qu'on avait. Alors, c'était les Denis Drolet qui espèrent que vous avez passé un joyeux moment à notre antenne. Et dites-vous bien que, ben, ce qui se passe ici, ça reste entre nous deux. Ah, et voilà! Ça a bien été, hein? Ah oui, ça a bien été, hein? C'était un bon bureau, hein, finalement? Oh, c'était un bon bureau.